Salut à tous, c'est avec beaucoup de plaisir que je me retrouve pour ce match de Primera División. Carmenès vient de me rejoindre. Salut Pierre. Salut Hervé, ou plutôt, hola. Oui, puisqu'on va suivre deux équipes espagnoles. C'est ça. Ah, oui. Vous êtes très bilingue. À l'occasion de cette rencontre, nous allons suivre le Real Madrid face à Malaga. Les visiteurs qui ont souvent beaucoup de mal à trouver le chemin défilé. Raison de plus pour ne pas jouer avec le frein à main, ils sont parfaitement capables de marquer à l'extérieur. Vous voyez apparaître la composition du Real Madrid. L'entraîneur a choisi d'aligner ses joueurs en 4-4-2 avec un milieu en losange. Ou en diamant, comme disaient les Anglais, qui ont plus d'argent. L'entraîneur confie donc les clés de l'animation offensive à son milieu offensif axial. Alors que vous voyez apparaître la composition de l'équipe de Malaga, tactiquement, l'entraîneur a choisi un 4-5-1 pour cette rencontre. Et on mise visiblement sur un gros maillage du milieu de terrain pour canaliser les offensives de l'adversaire. Tiens, parlez-nous un petit peu, Pierre, de Santiago Bernabéu, pas l'homme, hein, l'ancien président du Real, mais le stade. On est en plein cœur, hein, de Madrid. Hein. Ouais, 80 000 places, c'est un des plus gros d'Europe. Hein. Le plus impressionnant, c'est évidemment la salle des trophées. Hein. Bah, dis donc, pour nettoyer les coupes, il y en a pour un moment. Hein. C'est monsieur Pedro Orteguía qui arbitrera cette rencontre. Et l'arbitre qui siffle le coup d'envoi. C'est parti pour 90 minutes. Là, tout le monde est en place, nous on est bien assis, donc allons-y. Interception. On s'approche de la zone de vérité. Ah, il a bien résisté, il garde le ballon. Oui, c'est le face-à-face avec le gardien. Un ballon intercepté, mal donné, bien défendu. Diego Rolán. Oh, le défenseur. Diego Rolán. Le défenseur qui dévie le ballon dans son propre but. Ah ouais, un but quasiment offert à l'adversaire. Ah, le pire, c'est que s'il la touche pas, il n'y a pas but. Hein. Je vous laisse apprécier le ralenti sur ce but. Et ça fait donc 1-0 au tableau d'affichage. Marcos Llorente. Casemiro. Il peut y avoir danger sur cette attaque des joueurs du Real. Ouais, c'est bien taclé. Il faut récupérer ce ballon maintenant. Diego Rolán. Juan Pablo Añor. Ouais, la prochaine fois, je pense que ce sera un carton, mais pour l'instant, l'arbitre est clément.
dossier par le gardien. Casemiro. Bonne récupération milieu de terrain. On a peut-être une situation intéressante là. Ah, c'est un adversaire qui récupère cette passe. Ouais, bon ben oubliez ce que je viens de dire. Cristiano Ronaldo, elle a la bonne passe en profondeur. Bien vu. Une action qui ne donne rien. Marco Asensio. Allez, peut-être une bonne occasion. Ouais, le bel arrêt là du gardien, mais ça peut revenir. Ouais, bien taclé, le ballon qui n'est pour personne. C'est dans le paquet. Ouais, danger qui s'éloigne, c'était pourtant bien donné. On monopolise le ballon d'un côté et dans l'autre camp, bien on attend. Le ballon qui s'éloigne de la zone dangereuse. Juan Babagnor. Il n'a pas pris le risque. Corner. Il a cherché le point de pénalty sur ce. Choisi la frappe. Ah, ça passe assez loin finalement. Il y avait de l'idée, hein, mais le problème c'est que c'est super mal réalisé. Marco Asensio. Il n'est pas ce qu'il trouve un joueur de l'équipe adverse. Matteo Kovacic. Ça part bien, action dangereuse. Ouais, ça sort, ce sera une touche donc. Federico Ric. Juan Pablo Agnor. Johnny. Oui, il y avait un espace, il l'a vu. Les 30 derniers mètres. Le ballon qui sort. Casemiro. Marco Asensio. Alors ça c'est n'importe quoi cette passe, complètement à l'adversaire direct. Ouais Pierre, si on regarde le classement de l'équipe en possession du ballon actuellement, on se rend compte que ça va vraiment mal. Les supporters sont inquiets, l'équipe joue mal, les résultats ne sont pas bons. Ouais, en fait c'est simple pour personne. Hein. Le Real Madrid qui s'approche du but. Ouais, bien taclé, le ballon qui n'est pour personne. Federico Ric. Pereira. Diego Rolland. Ouais, bonne intervention dans le couloir, ballon récupéré. Ah, il perd le ballon, bon tacle. Il intercepte. Oh, le ballon dangereux. Ah non, il ne réalisera pas le doublé sur cette action. Un gardien ne voulait pas s'incliner une seconde fois face à lui. Ouais, elle a du potentiel cette attaque, ça peut très bien faire un but. Ils veulent faire bouger la défense avec ce très bon redoublement de passe. Matteo Kovacic.
Aucun problème hein, pour le gardien qui n'a pas eu vraiment à s'employer pour arrêter ce ballon. Asensio. Ouais, ça pousse bien du côté du Real. Marcos Llorente. Il peut y avoir danger sur cette attaque des joueurs du Real. Le dégagement pour éloigner le danger. Juan Pablo Añor. Il porte le ballon. Ah oui, il cherche un partenaire dans la profondeur. Un centre à destination de ses partenaires. Marco Asensio. Mateo Kovacic. Ronaldo. On s'approche de la zone de vérité. Il va y avoir du monde, bien sûr, dans la surface sur ce corner. Assez méconnaissable, Cristiano Ronaldo, depuis le début de cette rencontre. Le Portugais est dans un jour sans, visiblement. Ça lui arrive, même à lui. Je le trouve vraiment peu inspiré dans ses appels et dans ses passes. Soit le ballon n'arrive pas à ses partenaires, soit ses partenaires ne le trouvent pas. Ça manque de cohésion hein, et les stats reflètent toutes ces lacunes. Et la voilà la frappe. Ils sont toujours menés d'un but. C'est bête de rater cette balle d'égalisation. L'entraîneur du Real qui a un peu le masque après cette occasion nette qui est en fait un ballon d'égalisation. C'est sûr que c'est rageant. Le quatrième arbitre qui donne 3 minutes de temps additionnel. Un bon ballon d'attaque. Juan Pablo Añor. Ouais, peut-être un changement de possession après ce tacle. Marco Asensio. Ah oui, l'interception, il a tout anticipé. Et évidemment, l'arbitre l'a vu, il y a main. C'est volontaire, pas de souci, bien arbitré. C'était dangereux, mais la défense s'est dégagée au grand soulagement du gardien. Matt choisit la frappe. Le défenseur qui contre ce ballon. Corner pour le Real Madrid. Le tireur qui a visé à la zone du point de pénalty. Il prend sa chance. Oh, c'est contré ce tir. La mi-temps qui vient d'être sifflée à l'instant sur ce score de 1-0. Et au terme de ces 45 premières minutes, le fait du match, c'est bien sûr ce but encaissé très rapidement. Ouais, c'est vrai que c'est allé très très vite. Hein. On ne s'attendait pas à ce scénario. Allez, c'est parti, la seconde période de ce match, ici à Santiago Bernabéu. Le Real Madrid qui s'approche du but. Il avance balle au pied. Mateo Kovacic. Diego Rolland. Juan Pablo Añor. Nacho Fernandez. Marco Asensio. Attention, il a du champ devant lui. Et il a bien mis le jeu. Ballon intercepté. Ah, dommage, hein, cette passe qui file en touche. Les joueurs qui relancent vite. Ah, ils sont allés vite sur cette touche. Marco Asensio. Ouais, c'est bien donné une fois de plus. Le long de la ligne de touche. Asensio. Le Real Madrid qui va bénéficier du corner. Des gros plans sur ce joueur, évidemment. Il est omniprésent jusqu'ici. Il
participe à presque toutes les occasions de son équipe en jouant sur des qualités qu'on lui connaît, à savoir sa vision du jeu et sa capacité à donner le ballon au bon moment. D'ailleurs, il a délivré une passe décisive dans ce match. Un corner adressé au niveau du point de pénalty. Un petit peu d'espace pour centrer. C'est dans le paquet. Il repousse le danger loin devant. Le ballon dégagé finalement. Corner à suivre. Un corner bien tiré au niveau du point de pénalty. Le ballon qui est sorti de but. Il en tente un coup. Peut-être a-t-il enfin trouvé la solution tactique face à cet adversaire. Pereira. Ah, et l'arbitre a qui a sifflé main. Ah oui, pas de problème. Touche pour le Real, dit l'arbitre. Il va y avoir un changement. Casemiro. Mateo Kovacic. Il peut y avoir danger sur cette attaque des joueurs du Real. Un duel pour la récupération du ballon. Et 30 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Kuzmanovic. Marco Asensio. Attention, il n'y a plus que le gardien. Et la frappe. Le gardien qui repousse. Gareth Bale, à Cristiano, la frappe de Cristiano Ronaldo. Il joue son atout, il veut absolument voir son équipe égaliser, alors il fait ce qu'il faut pour. Cristiano Ronaldo, qui s'enfonce. Il choisit la frappe. Non, c'est contré. La passe est mal assurée. C'est une interception. Marco Asensio. Ouais, c'est typiquement le genre d'occasion qu'il ne faut pas rater. Parce qu'ils ont toujours ce petit but de retard. L'entraîneur du Real qui a un peu le masque après cette occasion nette. C'est en fait un ballon d'égalisation, c'est sûr que c'est rageant. Kuzmanovic. Diego Rolan. Castro. Non, on a compris l'intention, mais c'est un adversaire qui récupère. Real Madrid qui s'approche du but. Cristiano Ronaldo, le bon ballon. Le gardien qui écarte le danger, mais ça joue toujours. Cristiano Ronaldo qui centre, bien fait. Ah, l'attaque enrayée. Marco Asensio. Kroos. Alors, le ballon est perdu. Ça part bien, action dangereuse.
Elle a lutté, après on peut reprendre ce ballon. On essaie de dire, ce sera une touche. L'entraîneur qui décide de le faire sortir. Je trouve qu'il a été bon dans ce match. Disponible pour ses coéquipiers. Il a contribué au bon match que son équipe est en train de réaliser. Juan Pablo Añor. Pereira. On s'approche de la zone de vérité. Excellente récupération sur les côtés, ça va repartir. Casemiro. C'est finalement un ballon perdu. Bon timing défensif sur ce tacle. C'est au-dessus. Ouais, il n'a pas réussi à rabattre sa tête. Il était peut-être même un peu court, je crois bien. Peut-être un petit peu plus de mordant sur le front de l'attaque avec ce changement. L'objectif, c'est bien sûr d'égaliser au plus vite. Sergio Ramos. Sergio Ramos, l'un des tout meilleurs défenseurs espagnols de sa génération. Ouais, c'est très dur de le prendre à défaut en un contre un. Bon. Castro. Oh, le gardien qui est sur ce ballon, sans problème. Écoutez l'ambiance dans les tribunes de Santiago Bernabéu. Bon, le Real est mené d'un but, mais les supporters y croient toujours. Là, ils la veulent, cette égalisation. Casemiro. On en est à 10 minutes de la fin du temps réglementaire. Les 30 derniers mètres. Et c'est Cristiano Ronaldo. Oh, ça passe juste au-dessus. Oh, très bien joué cette tête. L'entraîneur du Real qui a un peu le masque après cette occasion nette qui est en fait un ballon d'égalisation. C'est sûr que c'est rageant. La passe n'arrivera pas à destination. Un bon ballon d'attaque. Castro. Toujours ce petit but d'écart à 5 minutes de la fin maintenant. Il donne carrément le ballon à l'adversaire. Juan Pablo Añor. Non, elle a été interceptée cette passe. Mateo Kovacic. On s'approche du but. Oh, le grand danger! C'est passé assez loin finalement. Il y avait de l'idée, hein, mais le problème c'est que c'est super mal réalisé. Mateo Kovacic. Allez, sans doute la dernière opportunité, il ne faut pas la rater. Il va trouver Cristiano Ronaldo. Oh, superbe intervention du gardien. La tête était très bien ajustée, on n'était pas loin du but là. Il est en train d'écœurer l'adversaire à lui tout seul, le gardien. Pereira. Bonne anticipation sur cette interception. Il peut y avoir danger sur cette attaque des joueurs du Real. Allez, il peut égaliser là. L'égalisation. Oh, l'égalisation. Comme quoi, c'est jamais fini un match. Assez cruel pour l'adversaire de marquer comme ça dans les arrêts de jeu. Ils viennent d'arracher l'égalisation. Ah, il se passe toujours beaucoup de choses dans ces moments-là. Et on n'est tout pas au bout de nos surprises, regardez. Ils égalisent donc un but partout. Kuzmanovic. Baïs.
Et il n'y aura pas de vainqueur dans cette rencontre qui se termine à l'instant. Le coup de sifflet final. Les deux équipes qui repartent avec chacune un point.